Le joueur qui recevra la mise en échec devra initier une action pour récupérer la rondelle avec une prise d'information sur la provenance et la vitesse de celle-ci via la bande. Il prendra ensuite l'information sur la provenance, la prestance et la vitesse de l'opposant qui viendra le mettre en échec. Sa troisième action sera d'éloigner la rondelle de l'opposant et de recevoir la mise en échec en présentant la zone d'impact pour mieux répartir l'énergie du contact et demeurer solide sur ses patins tout en conservant la rondelle.